Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Asphalt 8. Oui, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Asphalt 8. Je me suis dit en fait en voyant bon, qu'il y avait quand même quelques événements quotidiens, ben, comme tous les jours, hein, des événements d'ailleurs qui durent peut-être même plus qu'une seule journée, et surtout me disant que j'avais énormément de réservoirs supplémentaires, j'avais quand même 38 en stock. Je me suis dit tiens, pourquoi ne ferait-on pas une petite vidéo pour un petit peu regarder ce qu'on peut faire. Alors petit conseil, hein, bien évidemment pour ceux qui jouent toujours à Asphalt 8 et qui sont à fond dedans, vous pouvez facilement grappiller des jetons gratuitement tous les jours. En passant par là, en général ici vous avez des pubs à lancer, il y en a 4 ou 5 par jour à lancer, faites-le, ça prend un petit peu de temps mais ça vous ramène des jetons gratuits. Ensuite vous avez également ici la possibilité de lancer voilà, des pubs pour gagner ou des boosts ou des réservoirs ou des coffres ou des plans, enfin il y a pas mal de choses mais ça vaut le coup. Vous faites ça, je sais pas, pendant votre pause déjeuner, c'est à chaque fois entre 15 et 30 secondes la pub, mais c'est gratuit et c'est toujours bon à prendre. Allez, on va tout de suite partir pour ce premier événement. On enclenche ceci, j'ai encore deux départs nitro et un kit de tuning qui eux aussi viennent justement des publicités qu'on peut regarder, donc vous pouvez également en profiter. En général je me casse pas trop la tête pour ces événements quotidiens, c'est juste histoire de pouvoir gagner l'une ou l'autre récompense sans trop vouloir s'acharner, mais là aussi pareil, hein, voilà, quelques crédits, quelques jetons, c'est toujours bon à prendre. On part pour cette petite session événement, on va appeler ça comme ça. Et puis on va voir ce qu'on peut grappiller comme récompense. Salut Normal. J'ai perdu beaucoup de temps. C'est pas bien grave. Bon, j'espère que vous avez eu dernièrement aussi un événement, peut-être une Falcon à gagner ou alors une autre bagnole, puisqu'il y a des événements maintenant qui arrivent un peu à tout moment. Et en général, quand c'est comme ça, j'ai pas pris le tremplin, c'est nul. Et en général, quand c'est comme ça, c'est que c'est la deuxième fois. C'est pour ma part, j'avais la Falcon que j'ai cette fois-ci eu le temps de gagner. Puisque les événements enduro, en ce moment, c'est pas trop mon fort. J'ai pas forcément beaucoup de temps. Et surtout, comme je n'ai pas toutes les voitures, eh bien je n'ai pas pu tous les gagner. Fut un temps, c'est vrai que... Ah non ! Fut un temps, c'est vrai que je me concentrais pas mal, voire même exclusivement sur Asphalt 8. Là, vous le voyez sur la chaîne, il y a quand même pas mal de choses. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez entre les vidéos d'Asphalt... Real Racing, Forza, en ce moment il y en a pas mal, et puis d'autres jeux qui arrivent. Il y a eu un Slime Rancher il n'y a pas longtemps, voilà, donc quoi, 1900, donc ça me donnerait quoi, 25 jetons, plus des pièces, plus des crédits. Bon, écoutez, c'est pas trop mal, on va faire une petite coupe avec la Lotus Evora. Ah, là j'ai pas le choix, il va falloir que je rachète, enfin, ou que j'utilise des kits de tuning gratuits. Donc on est toujours bon, c'est toujours du gratos, et tout ça, ben, ce sont les courses événements qui me rapportent ce genre de petits bonus. Donc comme dit, n'oubliez pas de le faire, c'est toujours ça de prix. Je disais donc qu'effectivement il y avait une vidéo que Lord Motus a faite sur Slime Rancher. Non mais là c'est juste pas bon du tout, on va la recommencer celle-là. Ça permet de découvrir d'autres jeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires les jeux que vous appréciez le plus sur la chaîne. On va essayer de se concentrer quand même. Pour ne pas être à la ramasse totale. Vous voyez, hein, c'est du live. Hein. C'est presque du live. Thank you.
voir comment on va se classer. On va essayer de ne pas prendre trop le tremplin. Essayer de rester sur la terre ferme. C'est quand même beaucoup plus rapide. Ok, allez, notre deuxième course est terminée. 1.07, ça nous classe comment tout ça? Ça nous classe... Ah oui, quand même, d'accord, ok. 10.732, oui, je suis quand même très très à la ramasse. Écoutez, je vais pas m'acharner non plus. Vous voyez, rien que dans les premières récompenses, on a déjà 2.500 crédits, on a un kit de tuning, on a 25 jetons, et on a une carte de plan. Donc... même si vous ne gagnez que ça, si vous ne faites que ça, ce que je fais moi quotidiennement, eh ben, ça vous permet quand même déjà d'accumuler quelques récompenses. Là, celle-là, je l'avais déjà faite également. Des jetons, des cartes, 10 000 plus 7 500 crédits, plus des tickets de saison. Là, ça fait quand même aussi une belle cagnotte. Ensuite, celle-là, je ne l'avais pas faite, elle est toute nouvelle. On a 10, on a 34 jetons qu'on peut gagner, un départ nitro, un kit de tuning, plus tout le reste en fonction du classement. Donc on va la faire de ce pas, cette petite course. On est toujours sur le circuit du Nevada, un des anciens, très anciens circuits. On n'est pas en Patagonie par exemple ou à Rio de Janeiro. Et on est avec une Koenigsegg. Alors, qu'en est-il de ce résultat? 1.05, 802, ça me classe 47e pour l'instant. Ah, petite pub, ça me classe 47e. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, d'accord, d'accord, ok, donc on peut gagner... une entrée à la Paris Games Week du mois de novembre. Eh ben écoute, c'est vraiment très très bien. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais c'est une bonne idée. Ah, je n'obtiendrai pas mes 5 jetons, vous rendez compte, il faut s'inscrire. Et avec ça, on arrive à... On peut gagner nos jetons. Eh ben écoutez, on va tout de suite mettre notre email. Ça vous permettra à ceux qui veulent... C'est l'email de la chaîne, hein, donc il n'y a rien de top secret. Vous pouvez le retrouver simplement sur la chaîne. Voilà. Je valide et je gagne. Super, je gagne 5 jetons. Et bien écoutez, voilà une bonne chose de fait. J'en ai rien à faire de l'actualité d'Orange. Si je pouvais quitter. Voilà, donc 47e pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Et 5 jetons que je viens de gagner. Voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que ces petits tuyaux ont pu vous aider. N'hésitez pas bien évidemment dans les commentaires
à comparer vos temps au mien, et puis ça vous permettra un petit peu de pouvoir avoir un petit challenge supplémentaire. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à ciao.